Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo découverte sur Streets of Fury, X, je pense que ça veut dire X, c'est la démo en fait, qui est gratuite sur Steam. Alors avant de commencer, je présente un petit peu le jeu. Donc c'est sorti le 25 juin 2015, donc c'est un petit peu plus d'un an, développé et édité par Guard Crush Games. Donc c'est un jeu indépendant, dans le style action beat'em all, vous allez vite comprendre. Alors c'est un jeu que je connaissais déjà en fait, depuis quasiment sa sortie, je pense qu'il est quand même assez réputé dans son domaine. J'avais jamais vraiment eu l'occasion de jouer, et là je me suis rendu compte en fait, par hasard, en tombant sur le Steam, qu'il y avait une démo gratuite. Et je me suis dit, bah ça serait un petit peu con d'y passer à côté. Et du coup là j'ai lancé, ça marche très bien, on peut jouer à la manette et ça j'adore, enfin j'aime beaucoup jouer à la manette, surtout pour ce type de jeu, une démo d'action, hein, clairement. Ça marche vraiment bien. J'ai fait le tutoriel voilà, pour voir les contrôles, ça se prend vite en main, bref, c'est vraiment cool. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de vous présenter ça en vidéo. Donc du coup, vu que c'est la démo, bien sûr le jeu n'est pas complet. Comme vous l'avez vu, il y a une sorte de petite... il y a un scénario en fait, hein, le jeu est scénarisé. Donc il y a une petite campagne, on a eu la petite intro avant. Je sais pas, on va faire le début de la campagne, on va voir ce que ça fait. Le but voilà, c'est de tabasser des gangs dans les rues de Paris pour augmenter le niveau de sécurité. Rien de plus. Vous allez vite comprendre au niveau gameplay ce que c'est, mais il y a un truc qui est sympa, c'est... au niveau des graphismes, c'est assez bien foutu, et en fait, c'est les... je sais pas comment la technologie s'appelle en fait, mais... en gros, ils ont pris des vraies personnes, des vrais êtres humains, on va dire, pour faire les mouvements des joueurs que l'on peut contrôler. Et bon, vous allez vite comprendre, en fait, que c'est plus compliqué une image aux mille mots, comme on dit. Et c'est vraiment très sympa. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va lancer, voilà. On peut jouer aussi en coop local, alors ça c'est cool, il faudrait que je teste ça avec du monde. Donc là, moi je joue avec une manette, mais on peut jouer aussi avec un clavier, donc je préfère un 1v1 contre quelqu'un, ça pourrait être sympa. Ok, on a que Mitch Cassidy. Alors ce que je sais, c'est que... c'est comme ça que j'avais un petit peu découvert le jeu. Alors la musique d'ailleurs est super sympa, j'espère qu'elle est pas trop forte. Il y a aussi des... comment dire... Le jeu, je l'avais découvert grâce à Benzaï, entre autres, vidéaste et youtubeur, hein, comme on dit. Et du coup, en fait, il est dans le jeu, c'est-à-dire qu'on peut jouer Benzaï avec des mouvements qui lui sont prédéfinis, des coups spéciaux. Donc c'est assez marrant, il y a aussi des voix un petit peu, là on a entendu le mec, là, des fois il y a des coups, ils font des bruitages assez rigolos. Donc le jeu est assez fun là-dessus. Moi, je vais juste mettre voilà, en full screen, c'était juste là pour l'intro que j'avais mis en fenêtré, ça va arriver. Et du coup là il y a des vidéastes, des youtubeurs comme Benzaï, je sais qu'il y a Bob Lennon, je sais pas qui d'autre il y a, mais c'est sympa quoi. Alors après ça, je dirais pour le fanservice dans un sens, moi c'est des vidéastes que je suis, hein, Benzaï, Bob Lennon, les autres aussi qui peuvent y être, je les suis des fois avec plus ou moins d'intérêt, j'aime bien ce qu'ils font de manière générale. Même si j'aurais quand même pas mal de critiques à leur égard sur d'autres points. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'était juste voilà, pour dire que c'est comme ça que je les avais un petit peu connus, qu'ils sont dans le jeu et que bon, c'est sympa lorsque vous les connaissez. Bref, trop de blabla. Voilà. Donc le jeu se présente comme ça en fait. Et on doit aller tabasser des racailles dans la rue pour mettre plus de sécurité. Voilà, c'est un jeu. on va dire trop de trucs dessus, ça serait trop politique après. Voilà, donc du coup on joue la manette, il y a des boutons pour sauter, il y a des trois boutons de coups. On peut remplir une barre de furie justement pour faire des coups spéciaux. On peut progresser dans le niveau, voilà. Le but c'est d'éliminer tous les opposants. On peut, donc c'est avec RT je crois, voilà, qu'on peut faire des coups spéciaux. Moi ce que j'aime beaucoup c'est l'animation, alors il y a le côté, voilà, bah, c'est des vrais humains, ils sont animés, enfin voilà, au niveau de la texture ou de l'effet visuel, c'est vraiment... C'est pas un dessin ou c'est pas un modèle 3D quoi, c'est vraiment ils ont repris trait pour trait ceux d'un humain.
Et du coup, ils ont mis des animations qui sont assez drôles. Là, on voulait faire danser avec la musique qui va bien. D'ailleurs, la musique, je vais mettre un petit peu plus fort, si je peux. Voilà. On peut les faire danser. Voilà, moi ça me fait juste hilarer ça d'aller voir. C'est excellent. Donc du coup voilà, on a notre bar. Oula, notre bar en haut avec la santé en rouge. La furie qui se remplit en bleu là. Pour comment dire, voilà. Un coup spécial en quelque sorte, voilà. On peut contrer avec LT, on peut dasher un petit peu en arrière. Enfin, on peut bloquer plutôt avec LT et avoir des contres avec B lorsqu'on est un petit peu trop surmené. Et il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, là vous le voyez un petit peu, c'est-à-dire que il y a trois plans. Alors, attendez, je vais éliminer le mec. C'est là, j'ai mon Fury. Allez, Shoryuken. Bam! Alors moi, tout ce qui est jeu de combat comme ça, Street Fighter et compagnie, je connais pas du tout. Et j'aime pas du tout, c'est vraiment pas mon style de jeu. Mais là, c'est assez bien... pour la prise en main, c'est assez fun, et puis la prise en main, elle se fait bien. Et tout ce qui est Street Fighter et compagnie, je trouve que c'est super compliqué. Mais là ça se fait bien. Et après, du coup, je voulais dire, c'est que on peut être sur trois plans. Voilà, là, par exemple, je suis au fond, là, je suis tout devant. Toi, dégage. Bah, une sorte de boss avec des nunchaku, là. Ils vont pas me laisser dire ce que je veux. Bon, c'est pas grave, je viendrai après. C'est n'importe quoi. Chesto. Et du coup là on a une sorte de petite un petit halo bleu en dessous de nos pieds. Et il y a je dirais deux plans, c'est-à-dire qu'il y a un plan où là je suis en second en fond, et un où je suis plus proche, et les ennemis des fois voilà sont pareils, sont sur deux plans. Il y en a qui sont voilà, sur la ligne de fond et d'autres sur la première ligne là, vous voyez. Et en fait, ça me fait penser à Mother Russia Bleeds, un jeu qui est sorti récemment par Devolver, que je voulais vous montrer aussi, mais la capture avait foiré, enfin bref. Et le plus gros point frustrant de Mother Russia Bleeds, donc c'était un peu pareil, beat'em all et tout, dans le même genre, bien plus violent, puis avec un visuel... je baisse un peu le son. Un visuel bien plus propre, bien plus gore. Et j'ai vraiment beaucoup, mais c'était ultra frustrant, c'est-à-dire que les ennemis des fois étaient sur plusieurs lignes, et vous-même, le perso qu'on contrôlait était sur plusieurs lignes, et c'était ultra frustrant parce que des fois vous tapez dans le vide, des fois vous prenez des coups sans savoir, enfin, on savait pas trop sur quelle ligne on était, et des fois ça me faisait rager, clairement, des fois j'ai ragé sur des niveaux, et d'ailleurs le jeu je l'ai pas fini, je l'ai fait plus de la moitié, puis j'ai arrêté parce que c'était vraiment super frustrant. Et là du coup, bon, il y a certes que deux plans, sur lesquels on peut naviguer, voilà, hop, avec des petits sauts, hop, c'est assez marrant. Il n'y a que deux plans sur lesquels on peut naviguer, mais c'est fluide en fait, c'est-à-dire voilà, c'est pas casse-tête quoi, j'ai pas l'impression de taper dans le vent quoi. Bref, Underground Interlude. Allez, maintenant c'est bon que j'ai un peu parlé tout ce que je voulais dire, on va un peu plus jouer au jeu. Ouais, wow, il se fait tabasser par trois mecs, ah, il se débrouille bien quand même. Oh! Ah bah, il se débrouille bien. Oh! Le saut de fou. Alors, on peut les tabasser en l'air aussi. Voilà, hop, eux, ils sont en ligne de fond, voilà. Ah, l'enfoiré. Là, il a des tacs. Chesto! Là, je suis en train de me bourrer. Des petites taunts. Je peux d'ailleurs moi non, je peux pas faire des petites taunts aussi, ça serait marrant. Alors lui c'est une sorte de boss, j'ai l'impression. Fury, waouh, la moitié de ma vie par contre. Ça fait penser au vieux jeu de Mortal Kombat. Merde. Ah, j'ai bloqué, faut que j'utilise peut-être un peu plus mon bloc. Je suis vraiment pas doué, hein. Dans ce genre de jeu, c'est vraiment pas mon domaine, hein. Clairement pas. Les bruitages, je pense que ça fait vraiment marrer ça. Voilà, lui, c'est fait.
Ouah, revoit du Mushaku là. Tiens, bouffe. Le vieux bruit. Qu'est-ce que je lui ai fait comme dégâts là? Allez, un de moins. Boum. Bon, ça va, le jeu est assez facile. Bon, on peut régler la difficulté, mais là, ça va, c'est gérable. Aïe, 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 aïe. Alors, on peut contrer aussi, voilà, quand on se fait complètement défoncer la tête. Ils sont beaucoup là. Bon, là, je vais crever, moi, à cette allure-là. Il faut que je fasse gaffe à ma stamina, en fait. C'est pour ça que je peux pas trop attaquer des fois. Ok, ça y est, je suis mort. J'ai fait n'importe quoi. Enfin, j'avais plus de stamina en fait. Ouais, bah, lui, ce qu'elle se dit, allez, hop. Ah, ok, cool, alors c'est reparti. Ah, ça, c'est sympa ça. Alors, je sais pas si on a des sortes de vie. Je sais pas si on a des plusieurs vies, si vous voulez, mais. C'est sympa qu'on regagne comme ça, qu'on n'ait pas besoin de tout refaire. Alors lui, le mec, il gonfle les pecs et c'est son contre, en fait. C'est pas mal, ça. Chesto. Oula. Voilà, il y a un de moins. Yakato. Beaucoup de stamina. Oh voilà. On peut danser un petit peu en attendant. J'adore, franchement ça j'adore. Rien que pour ça je vais garder le truc, le démo quoi. Ok, on continue. Wong is near. Sorte de boss. Ça se gâte ma vie. Du coup si je fais... Alors je vais essayer après pour voir si je fais, Hunter, Star. Pour que quelqu'un puisse me rejoindre et jouer avec... Oula, ils sont beaucoup là. Et jouer au clavier, ça peut être sympa, ça. Oh, 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 oh. Oula. Qu'est-ce qu'ils font, là? On dirait un clip de Michael Jackson. Oula. Un boss. Oui, ça va, je pense que j'ai compris. Yakato. Alors là on a trois plans différents pour le coup. Du coup la rue est un peu plus grande. Alors, je reviens me débarrasser des sbires avant de me faire le boss. C'est plus facile. Voilà. Allez. Après, j'ai vidé toutes mes barres de furie, c'est pas bon ça. Wow, pas mal. Ah, waouh, waouh, il me fait des coups de bide. Tiens, bouffe. Ok, j'ai une furie. Concentré là, à mon avis je vais pas tenir là avec la toute vie qui me reste. Ah, je me fais taquer dans tous les sens. Voilà, et hop. Qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe, ah je vais crever. Merde. Ah, je suis mort. Boum. Parce que du coup, j'ai encore une vie. Crédit left. Ah oui, carrément, j'avais pas vu qu'il y avait des crédits. Il reste 5 crédits. Ah bah ouais, let's go. C'est bon, 5 crédits, c'est pas mal. Je pense que ça va être suffisant pour battre le boss. Ah.
débarrasse d'eux là. Voilà. Merde, ah purée, c'est mauvais. N'importe quoi. Allez, il reste plus beaucoup de vie, ça devrait se faire. Oula, il est décollé. Il avait des flammes aussi. Je vais mettre en spécial, peut-être que ça va. Allez, j'ai une furie pour terminer. Oh, c'est excellent. Ah là là. Ben voilà. Boss terminé, pas mal. Section cleared. Wouhou. Go. On peut lâcher un peu. Ah, on pouvait faire Y plus B pour taunt. Ce que je cherchais tout à l'heure pour provoquer un petit peu. Ok, cool. Je veux juste voir les taunts à quoi ça ressemble. Ok. Ouais, bon, ok. Blablabla. Voilà, fin de la démo. Ok. Cool, cool. Bah, c'est, du coup, c'est, je comptais m'arrêter là dans tous les cas. Donc, du coup, le jeu complet, plutôt. Je vais la parler aujourd'hui. Hein. Je vous mets le lien dans la description. Je crois qu'il est à 10€. Avec 17 joueurs avec qui on peut jouer. Deux campagnes. Un mode survie, un niveau spécial, et des mises à jour de gameplay. Ok, c'est pas mal. J'aimerais juste rejouer. Oula, merde, il m'a envoyé sur le truc de Steam. Bon, je sais pas ce que vous voyez. Qu'est-ce qui se passe? Je peux retourner sur le jeu? Ah, il faudrait m'aller sur le Steam, merde. Bon. Voilà, ah, c'est bon. Cancel, je veux juste retourner à l'écran titre. Ok, il m'en met là. Ok. Ouais, franchement, c'est sympa. Là, je vais juste me faire mon training et qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui. Non, je vais faire la campagne, c'est pas grave. Voilà, on peut la refaire complètement. Juste pour tester le truc. Notamment le taunt et savoir si je peux rajouter quelqu'un d'autre en plus, juste pour regarder. Ok, le taunt, c'est juste ça, c'est quand il fait son salut. Et si je fais entrer... Ouais, non, il faudrait que quelqu'un ait une autre manette, en fait. Ou alors que tout le monde joue au clavier. Ok, d'accord. Du coup, bah... On baisse un petit peu le son. Je vais m'arrêter là pour Streets of Fury, voilà, 7 Quit. C'est vraiment très sympa, si vous avez l'occasion de choper la démo, ça peut être sympa, le jeu, après, complet, à vous de voir. Je vais regarder de mon côté, mais c'est assez fun, c'est plutôt bien fait, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !